C'est invraisemblable, il y a un truc de dingue là, mais oui, non mais... Bah oui, oui, bien sûr que tu viens, mais évidemment que tu viens. Je vais péter un câble, je te le dis, moi je vais péter un câble. Oui, tu viens. Cédric, là, oui. Ah, il est tranquille. Tu rigoles? Encore
encore 6 messages aujourd'hui. C'est pour pas cacher. Il y avait encore 6 messages aujourd'hui. Mais tu les écoutes pas au moins. Non, parce que ça, c'est pas bon. Hein. Non, bah, je suis non, tu penses bien, je les efface. Tu devrais demander une procédure d'éloignement. Et puis quoi? Mais il est lâche. Il montera jamais jusqu'ici. Non. Tu sais pas de quoi il est capable, hein. Et puis tu sais quoi, mon petit Marc? Eh ben, il y a toi pour me défendre juste en dessous, là. Ben oui, il y a toi. Oui, il y a moi. Il y a moi. Je préférerais que t'appelles la police, tu vois. Ah, mais quel ange. Alors, oui. Je vais les appeler, leur dire « Allô, mon ex me harcèle !» Et ils vont me rironner. Ta fille. Bon, bah écoute, ma chérie, tu fais comme tu veux, ah, hein. Mais en attendant, moi. Faut que j'y aille, hein. Ah, bah écoute, merci d'être venu. Te perds pas. Oh, bah t'inquiète pas. Je fais mon jeunesse. Ah, bon, bah bien. Allez, bisous. On n'a pas beaucoup de moyens. Voilà. Alors, oui. Ça peut devenir un. C'est devenu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors. Ah, t'as oublié quelque chose, mon copain. Je veux savoir ce que Marc faisait chez toi. Mais t'es complètement malade, toi. Qu'est-ce que tu fous là? Vous avez une liaison, c'est ça? Mais pas du tout. C'est du grand n'importe quoi. Ah oui. C'est encore ça? Oui. C'est à cause de ça qu'il était là? Dans tes bouquins de merde, là? Alors, mes copains, ils sont comme moi, ils t'emmerdent, effectivement. Et puis d'abord, je reçois qui je veux, quand je veux, chez moi. Un petit peu ce que je veux. Et toi, tu te casses, parce que si dans les 30 secondes t'es pas parti, j'appelle la police. Tu sais. T'es dur quand même. Ouais, tu sais que je t'aime en crever. Oui, bien sûr, évidemment. T'as pas de cœur, Sarah. Moi, je m'ouvre à toi, et puis... Et moi, je t'ouvre la porte. Ah. Je m'en fous, je pars pas. Ah, je... Avec mes nerfs. Non mais attends, ça va. Écoute-moi d'abord. Quoi? J'ai changé. Ouais. Je te jure, je suis plus le même. Ouais. Et ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as aidé. Et je serai mieux, je te le jure. Oui. Comme toutes les autres fois, cette vie. Écoute, ça, j'en suis rentre chez toi, c'est mieux. En plus, t'as bu. Mais c'est normal, mais je suis plus rien sans. Mais je voilà ma vie sans toi. Mais je suis beaucoup plus calme, hein. J'ai pire qu'un toi, là. Je suis sûr que tu t'ennuies tout seul sans moi, mais t'es rien, là, sans moi. Et tu sais, je suis rien sans toi. Non, mais j'ai réfléchi à notre situation, d'accord. Et je pense que le mieux, ce serait qu'on se marie. Toi et moi, pour toujours. Alors, non, mais ça fait un an que c'est fini, toi et moi. Ça fait un an que tu viens. Merde, tous les jours là. Alors tu sais quoi? Tu te relèves et tu te barres. Mais si, je t'assure. Non, vraiment, casse-toi. Alors, les messages de l'autre andouille. Allez, vas-y, Cédric. Bip, allez. Sarah, c'est moi. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Un verre, juste nous deux, ça te dit? Rappelle-moi. Sarah, c'est encore moi. Si tu préfères, on peut aller voir un film ou aller chez moi. Je sais que t'en as envie. Allez, rappelle-moi.
Bon, je veux bien être patient, mais il y a des limites, hein. Alors tu décroches le téléphone et plus vite que ça. Écoute, je suis désolé, mais tu me manques. Je sais comment je suis, je m'emporte, mais je t'aime encore et je trouve ce qu'il faut pour que tu viennes. Je peux changer, Sarah. Tu m'aides à changer. Pourquoi tu m'ignores? T'es avec quelqu'un, c'est ça? C'est Marc! C'est avec lui que tu couches! J'en étais sûr! Je suis sûr que tu me trouvais déjà quand on était ensemble! Sarah! Je préviens d'un mal de passer pour toi! Sarah, réponds! Je sais que t'es là! Je veux venir chez toi, Sarah! Ah, tiens. Ça va. Oui, alors... Non, viens pas. Non, t'inquiète, j'ai cru que c'était Cédric. Oui. Oh, non, mais viens pas, ça sert à rien. Ouais, non, mais je suis fatiguée. Oui. Ah, par contre, il aurait fallu... J'ai quelque chose à te dire. Oui. Non, pas là. Non, bah, bonne nuit, hein. Oui, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Oh! Ces portails, c'est plus que cette terre. J'ai pourtant bien copié les ruines. Ah oui! Troisième. Ah! Bah voilà! Le con, j'ai mis à l'envers. Ah. En même temps, c'est pas évident, hein. Mais vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas l'ordienne, ça se voit. Vous comprenez ce que je dis? Attention, hein, je suis un grand mage. Et je n'hésiterai pas à faire usage de tous mes pouvoirs. Limoges? Ça doit être un mot bienvenu. Limoges à vous aussi. Non, vous êtes à Limoges, la ville. Ah, mais vous parlez ma langue. On va peut-être pouvoir avancer. Bah alors, je suis où? Bah, Limoges, je viens de vous. Elle ne me comprend pas. Bon, on est de quel côté? Lordien ou Zardien? Mais d'où connaissez-vous mon nom? Très peu de personnes connaissent ma véritable identité. Ça y est, je m'en doutais, j'ai pété un câble. Non, mais je suis malade, de fièvre sûrement. Ah non, même pas là non plus. Non, je suis normale, je suis malade, c'est sûr. Ceci n'est pas réel, c'est une hallucination, évidemment. Asseyez-vous, je pense que ce serait mieux. Non. Non, mais je vous assure, asseyez-vous. Oh, j'ai
m'appelle Marc. Thank you.
M'en fous. Tous des cons. T'as raison, je suis bien d'accord. Ah, n'est-ce pas? Ah, bah pour une fois, tu es d'accord avec moi. Ah bah, tu parles avant. Mais dis, entre Cédric, le sou et Pierre, c'est pas quoi faire. C'est qui ça, Cédric et Pierre? Mon ex et mon mec. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, sans rien, c'est Marc. Marc? Un ex, un mec? Ah non, un ami. Faut te cacher. Ah, ah bon, mais pourquoi? Ah oui, c'est Marc. Mais. Mais ça m'a interpellé ton message. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Cédric qui dit. Parce que tu le vois. Ah oui, il y a un mec dans ton canapé. Le... Ça va bien, ça. Putain, mais t'es réel alors. Oh. Oui, à première vue. Hein. Et. Je m'évertue de vous l'expliquer depuis ce matin. Ah bah... Eh bah, c'est cool. Moi qui croyais que j'étais malade, tout ça. Bah, la fièvre, tout est... Et en fait, ça va. Si. Oh, tu m'inquiètes, ça. Je suis passé par là, moi aussi. Alors, tu sais qui est mon personnage préféré? Oh, bah, c'est pas comme si tu m'en avais pas parlé pendant des jours, des mois, des années. Eh ben, voilà. Ouais, quoi? C'est une tendine. Mais ça me passe quoi? Mais bien ça. Permettez que je me présente. Nico, premier du nom. Fils illégitime. Du royaume de l'Orni. Il y aura un premier. Pour vous servir. Ben voyons, ah. Ben quand vous aurez fini de vous foutre de ma gueule... Ah non, regarde, est-ce que tu crois que je te réfère en urgence pour rien? Voilà. Il a moi. Oui. Oui. Oh. Je peux m'asseoir? Oui, bah tu vois, je t'avais dit qu'il fallait plus t'asseoir. Oh oui. Oh, voilà. Oui. Allez. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui, bah ça. Alors. Bah du coup, c'est bien quoi, moi. Bah oui, je me sers un verre, alors. Bah, attends, je vais chercher un verre, oh là là. Voilà. Alors un petit, hein, parce qu'il a déjà vu un poste. Ah, ça réveille des morts, c'est sûr. Ça habitue, hein. Bah, ça fait venir les coups. Mais pourquoi vraiment? Alors, j'ai pas plus d'explications que ça. Mais quand? Ce matin. Et comment? Comme ça, il y est. Il a loupé un portail, il a tourné un
tourner à gauche, et voilà. C'était pas tout à fait exact. Hein. En fin de compte, j'ai mal recopié un livre. Une erreur de rien du tout, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Mais il n'y a pas un moyen de leur faire à l'envers le portail. Mais c'est beaucoup ça. Ah oh, bah c'est ce que tu veux. Alors, oui, en théorie. Seulement, la magie n'a pas l'air de fonctionner. Non, mais attends. Je peux tutoyer parce que c'est un petit peu confus. Ah, mais je vous en prie. Je t'en prie. Oui, tu peux me tutoyer. Ça sera plus facile. Merci. C'est ça. Oui, c'est ça. Je peux vous laisser si vous voulez. Hein. Oui. Pardon. Non, peut-être pas. Oui, alors, je disais que sans magie, c'est compliqué. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Si tu as réussi à arriver dans l'autre monde, c'est quand même, il y a un petit peu de magie là-dedans. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. On peut peut-être essayer. Mais bon, il me faut des ingrédients, je sais pas si on peut trouver ça ici. Mais t'inquiète pas, enfin. Sauf s'il s'agit des cailles de drap. Excuse-moi, j'ai bloqué là. J'en ai encore. Donc, potentiellement, il y a les fées, les trolls, les trucs comme ça. Ouais. Oh, mais putain! Ça veut dire qu'à 10 ans, j'ai vraiment lu un loup-garou! Fais-moi de main, j'arrive. C'est mon connard de cousin. Jamais il n'a cru. Dans ton sujet. Oui, alors, viens. Voilà, du coup, il te faut. Alors, il me faut de la lavande, de la sauge, de la cannelle. Tu vas faire de la soupe. Personnellement, je ne mets pas de lavande dans ma soupe. Hein, mais bon, je ne juge pas. Hein. Bon, autrement, il me faut un lapis lazuli. Oui. Des œufs de poisson. Une tentacule de Kraken. On peut remplacer par une tentacule de calamar. Un quartz rouge, une araignée. Une petite araignée. Puis un anneau d'or et un diamant, c'est tout. Un diamant. Ah bah oui, je sais, c'est un vulgaire caillou, mais. Alors, c'est peut-être un vulgaire caillou chez vous, hein, mais c'est que chez vous, ça coûte un bras. Allez, voire deux. Ah bon? Votre monnaie, c'est des morceaux de corps. Non, c'est une expression, ça veut dire que ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Vous avez un langage très imagé, dites-moi. Par contre, il va peut-être pas pouvoir sortir comme ça. Ah non. Comment ça, comme ça? C'est bien, mais la cape, ça va pas passer inaperçu, tu vois. Ah bah même le reste, hein, on dirait Dracula. Je me rends compte dans une nouvelle sombre. Alors je ne sais pas qui c'est ce Dracula, mais permettez-moi de vous préciser que cette tunique est très précieuse et distinguée. Oui, et qui plus est, très pratique.
pratique pour cacher des armes. Et je pourrais en dire tout autant de votre accoutrement et de ses accessoires. Non mais ça va bien, ouais. Eh hey, mais ça va les gars. Et Marc, dis ta gueule. Bon, et toi, c'est pas que ce soit pas beau, ta... J'aime bien, mais... Non, j'aime bien. Mais ça passe pas assez inaperçu, tu comprends? Et ça va pas aller, on a pas besoin de ça, tu comprends? Ah, voilà. Oui, bah, je comprends. Bah oui, hein. Oui, je comprends. Alors, écoute, je sais. J'ai quelques affaires de Cédric qui sont restées dans un vieux carton, là, dans ma chambre. Oh, ouais. Je vais aller voir, ça devrait aller. Allez, j'y vais. Vous cachez beaucoup de larmes sous votre cape, hein? Oh non! Juste un poignard. Au cas où? Au cas où quoi? Au cas où. Il m'agresse! Par surprise, en pleine nuit, pendant mon sommeil. Oh, bah alors ça va, hein, c'est un quartier plutôt calme, hein, pas grand chose. Ou si on critique ma tenue. Oh. Non, mais c'était pas vraiment une critique, hein. Non, c'était pas une critique, hein. C'était pas une critique. Je rigole. Oh. Allez, c'est bon, tu peux aller dans ma chambre, je t'en prie, les affaires sont prêtes, tout est sur mon lit. Allez, bon. À tout à l'heure, voilà. Ouh, je vais aller. Oui. Bon, bah, allez, il y a eu. Oui. Il n'y a plus qu'à. Sauf que, n'oublie pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui vient dîner ce soir. Oh, Pierre. Oh, il arrive dans une heure. Oh, pétard, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de Loki? Nico. Réfléchissons. Eh bien, je sais. T'as qu'à lui dire que c'est ton cousin. C'est pas possible, il s'est tombé de chauffer. Oh, mais... Comment on va faire? J'ai une idée. Oui. Tu vas le prendre chez toi. Ah non! Si, si, non, mais tu vas le prendre chez toi. Je n'ai pas le choix. Je vais faire le plus rapidement possible. Et il faut que tu me le prennes, parce que je ne peux pas faire autrement, s'il te plaît. Mais je le sens, Marc, mais je le sens. Mais si, Marc, je t'en prie, Marc, s'il te plaît, Marc. Oui, 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 dis oui, t'as dit oui. En fait, t'as dit oui, t'as dit oui. Bon, ben d'accord, mais pas longtemps. Oh, bah, c'est cool. Bon, bah, du coup, hein, il arrive. Oh, là, mais dis donc, mais c'est beau. Non, si, ça va. Pas sur ma tunique. Ah, non, mais attends, oh là, attends. Chez Marc. Allez, hop, hop, hop. Ah bon, mais pourquoi? Ah, bah, parce qu'il y a Pierre qui vient ce soir. Et je préfère lui expliquer en douceur. Ah, pas trop facile, mais bon, voilà. Et qui ça, Pierre? Ah, c'est mon mec. Ouais. Oh, je vais essayer d'être très discret. Ouais, ouais, j'en doute pas. Mais pas là. Allez, bon, oui. Ben, si Monseigneur va bien donner la peine, hein, vous allez là. Eh, je me suis, là. Oui, 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 oh. À tout à l'heure, hein. Mais pas là. Allez, pardon. Ah,
Ah, ma chérie. Oui. Ah, comment ça va? Ça va, oui. Ah, ben j'avais très envie de te voir, dis donc. Hein. Je suis inquiété après le dernier coup de fil, là. Ah, oui, non, mais... Non, t'inquiète pas, je... Ouais, il aboie plus qu'il ne mord, hein. Il est pas très courageux. Ah ouais, mais tu sais que ça me fait peur quand même, cette histoire-là. Hein. Je te sens mal à l'aise à chaque fois que tu vois ou que t'as des nouvelles de lui. Hein. Ben oui, mais si tu veux, je me dis, bon, faut pas que j'en fasse une montagne, ça serait lui donner plus d'intérêt qu'il n'a. C'est vrai que... ça me fatigue. Eh ben, tu sais, ça se voit que t'es fatigué. Ah ouais. Ouais. Et tu sais ce qu'il te faudrait, toi? Des vacances. Ah non, mais faut... Mais j'ai pas le temps, Pierre! T'as pas le temps? Ah non, j'ai pas le temps! N'importe quoi, mais ça fait combien de temps que t'as pas fait de pause? Alors attends, pause? Ah bah si, tiens-moi aujourd'hui! Ah bah voilà! Aujourd'hui, j'ai pas travaillé, c'est vrai! N'importe quoi! C'est aujourd'hui, c'est des jours de repos! Oui. Non, moi je te parle de vacances, de vraies vacances! loin de tout, surtout loin de ce con de Cédric, enfin! Oui, ah bah c'est sûr que. Vu comme ça, forcément, c'est tentant, loin de tout, au soleil. Ah, tu vois, au soleil, toi et moi. Ouais. Ah non. C'était tentant, tu viens de dire, là. Non, c'est pas ça, mais tu sais, oh, tous les deux, tout seul, pendant une semaine, si ça se trouve, on s'entendra pas bien. On se trouve bien, là, je trouve, moi. Oui, enfin, je sais pas, peut-être pas. Oh, regarde, Sarah, qu'est-ce qui se passe, enfin, dis-moi quelque chose, là, parce que là, je sens que ça va pas, hein. Alors, explique-toi. Ça se voit, comment ça? Bah oui. Bon, bah, c'est juste qu'entre nous, Ouais, hein? T'as entendu, là? Oui, bien sûr, mais c'est... Dans la cuisine, enfin tu sais, si, en dessous de la fenêtre de la cuisine, il y a des jeunes et qui viennent à chaque fois là, et ils font du mal au chat. Non, c'est vrai. Oui, ça va, faudrait que t'ailles voir. Non, ça m'arrangerait, oui, vois, parce qu'ils font du mal au chat, si vous pouvez les, tu vois, va voir, tu me diras, d'accord. S'il te plaît, merci Pierre. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu... Mais quoi? Mais tu te rends compte que Pierre a failli? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu l'enfer! Mais quoi? Tu m'avais pas dit que ton ami possédait une créature diabolique, monstrueuse? Oh. Avec des griffes acérées et une fourrure. Monsieur Moutarde, ça. Qu'est-il? Monsieur Louis Moutarde, le chat de Marc. Ah, c'est donc ça son nom. Bill Moutarde, je me vengerai. Mais non, on va se venger. Putain, il revient là. Non, il revient. Fille dans la chambre. Ah là. Bon, il n'y avait personne, hein. Je vais vérifier partout, il n'y avait personne. Bon, ça c'est bizarre. Ah, bien. Eh ben. Non, mais on avait un truc à discuter là. Hein? Ah oui, bien sûr. Si tu disais entre nous là, ceci, cela là. Oui, non, mais je sais bien, mais la pizza va refroidir. Non, ça va. Tu veux qu'on arrête, c'est ça? Ah non, c'est pas ça, mais non. Vas-y, dis-moi tout de suite, hein. Non. Oh, j'en prie, arrête tes conneries, hein. Non, c'est pas ça, je... Ah oui, là. Ah non, attendez, mais quoi, dans ta chambre, là? Ah non. C'est bien ta chambre, là. Oui, non, mais non, il n'y a pas... C'est un peu dans ta chambre, là. Il n'y a pas de bruit, là, entendu, non. Ah, si, il y avait un bruit, quand même. Non, non. Ah non. T'es sûr? Ouais, non, mais il n'y a pas de... Oh, attends, ça recommence. Ah, mais c'est mon Alexa, elle déconne, des fois elle parle tout seul. Ah ouais, ton Alexa. Ça c'est de la merde. Non, rien, mais... Ah, c'est pas ton Alexa, là, partout. Non. Hé,
Ça se trouve, c'est Cédric. Non, c'est pas Cédric, c'est Marc. Marc, dans ta chambre? Non, pas dans ta chambre. Ah si, dans ta chambre. Oui. Ta chambre, c'est ta chambre. Oui, mais là non. Mais en fait, c'est Marc. Il fait des travaux chez lui. Et forcément, ça fait du bruit. Marc, travaux chez lui. Oui, mais non, n'importe quoi, c'est comme si moi je faisais des travaux chez moi. Oui, mais ça fait du bruit parce que les murs, c'est du carton pâte, il faut le savoir. Si, je t'assure. Mais si ça se trouve, il s'est blessé. Non. Ah si. Ah si. Si tu pouvais les voir. Ah, je vois Richard. Oui, bah oui, ma femme. Je vois Marc. Oui, mais je préfère que tu m'aides pour rien. Eh ben d'accord, allez, j'y vais. Hein. Bah, voilà. Mais on en parle. Hein. Oui, bien sûr. Hein, on se reparle. Hein. Oui, Pierre. On se revient. Oui. Ouais, c'est ça. Mais... J'ai eu comme un petit souci. Mais Marc, mais Pierre a failli te voir, enfin. Ah mais, comme je disais, je suis désolé, mais c'est ton chose là qui a émis une étrange lumière et... Mais c'est mon Alexa. Ah, mais je ne connaissais pas ton prénom. Ah. Enfin, toujours est-il, c'est que, en voulant l'examiner de plus près, elle est malencontreusement tombée et j'avoue que le bruit m'a surpris. Oui, alors, et du coup, t'as cru que c'était dangereux. Oui, j'ai eu un mauvais réflexe, désolé. Ah, bon, c'est pas grave, de toute façon, on me l'a offert, je l'ai pas payé et je m'en sers pas. Oui, non, mais je comprends que tu sois un peu en colère parce que je fais irruption chez toi comme ça sans prévenir et en plus, je casse tout, alors c'est un peu normal. T'as pas à temps de casser une chose que ça, hein, c'est pas non plus. Ah non, c'est moi dans la chambre. Mais bon, en même temps, ça me fait du divertissement, hein, parce qu'il m'arrive pas grand chose de cool pour mes filles, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pas grand chose. Hein. Ah, je suis vraiment désolé. Non, t'inquiète, tu sais pas. Ah, mais. Et du coup, tes écritures, ça va mieux? Ah, oui, j'ai connu pire. Hein. Bah oui, mais enfin là. Oui, mais enfin, Pierre, je te présente Simon, mon cousin. C'est plus orpheline alors. Ah bah dis donc, on peut être orpheline et avoir mon cousin. Quand même, Simon. Ah oui, bien sûr. Ça, oui. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Non. C'est quoi alors? Eh ben, tu veux que je t'explique? Ouais, c'est ça. Ah bah, vas-y. Alors voilà. Ico, mon personnage préféré, est arrivé dans mon salon et il est sorti du livre ce matin. Il est arrivé devant, comme ça, il s'est gouré pour son portail, je m'en vois. Bref, il a atterri dans mon salon. D'accord. Je crois pas un seul mot de ce que je te raconte, évidemment. Un peu gros, quand même, non? Ouais, mais... Je vais vous laisser, hein. Non, c'est moi qui vais vous laisser. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Laisse-moi une chance. On en reparlera. Demain, tu viens. D'accord. Je te promets, je t'explique. Ouais, au revoir. S'il te plaît, Pierre. Je suis vraiment navré. Ouais, non, je pense que c'est ce qu'il aurait fallu qu'il se passe depuis longtemps. Mais tu ne l'aimes pas? Ben, c'est pour ça, pour assez, c'est sûr. Et puis j'ai merdouillé parce que après Cédric, évidemment, ce n'est pas terrible. On m'a dit, allez, remettons ça, allez. Tu vas à l'ancelle, je lui ai fait du mal, c'est débile. Vous ne méritez pas ça. Je suis une mauvaise personne. Je me permets de te poser la question parce que. Pourquoi étiez-vous ensemble si le cœur n'y était pas Parce que je voulais pas être tout seul, mais c'est ça. Ben, je suis pas une bonne personne, ça c'est sûr, dans la salle. Alors là,
Je pense que tu n'es pas la pire personne ici, hein. As-tu tué des Lordiens? Ah non, attends. As-tu assassiné ton demi-frère? Eh ben, tu vois, t'es déjà une meilleure personne que moi. Ah oui, alors, peut-être plus sous cet angle-là. Oui. Enfin, ça n'empêche que je lui ai fait du mal et je m'en fume. Voilà. Sarah, la journée a été longue. Tu auras le temps de mettre les choses au clair demain. Ouais. Alors, je pense que il faudrait mieux que tu ailles te reposer. Ah oui, je me souviens. Oui, je vais aller me coucher. Eh ben, écoute, tu peux dormir là si tu veux. T'as des couvertures de l'autre côté. Eh ben, je vais te dire bonne nuit, hein. Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit, Sarah. Ouais. À demain. Bonjour, bien dormi? Ouais. Oh, pour du matin, ce que je vois. Café? Qu'est-ce donc? Je sais pas, je vais t'en faire un. Oh, le moche. Merci. Mais c'est bon! Ah bah tu en as des demandes, c'est bon! Tu as devant toi le spécialiste du café. Vous prenez quoi, vous, pour déjeuner le matin? Ah! Du Charlot qui est dû! Mais pas du frère! C'est quasiment introuvable! Bien sûr! Du Charlot fait un truc. Du frère! Introuvable! Hein? Ah! Oh, j'arrive. Ouais. Je suis prêt. Alors voilà, j'ai fait une carte. Ouais. Oh, vous savez tout ça. Alors là, j'ai marqué tout. Ouais. Et je tiens tout. Les ingrédients que M. Picot a cités. Ouais. Alors là, la sauge, la lavande. Mmh. Et alors, en bouquet, je ne savais pas trop ce qu'il vous fait. Pris là. Alors là, sinon, il y a Georgette. Mais il y a Georgette, trois poissons. Il n'est pas aimable. Ah, il n'est pas aimable. Il n'est pas aimable. Il a du poisson. Non, si. Ah, bah, si, il a du poisson. Mais c'est bien, Marc. Mais t'étais peut-être pas obligé d'en faire autant. Ah ben moi on me dit mission spéciale, hein, c'est mission spéciale. Hein. Là, j'avoue, mes hommes n'en font pas autant. Hein. Bravo, Marc. Il y en a au moins qui reconnaissent mes mérites, pas comme tout le monde. Hein. Mais ça va, je suis pas réveillée. Bon, c'est pas tout ça, mais alors là, c'est pour le diamant et le... Je regarde la boutique là, de la bijouterie, là, mais pour le fracas. Mais non, mais. J'ai le diamant que m'a offert Cédric, voyons. Ah, ça va être plus simple. Ah oui. Mais dis donc, tu comptes quand même pas braquer la bijouterie. Non. Alors, si j'ai bien compris, si on suit le plan. Tout est aux alentours. Et
pensez qu'on peut faire tout ça dans la journée? Ah, alors, c'est très très bien, mais du coup, ça va être vite fait. Bon, oui. Ah bah voilà, bon bah, hein. Ben, on est dans. Oui, mais non. Il y a un problème. Ah, bah oui. Pierre. Bah quoi, Pierre? Bah Pierre, je l'ai vu hier, mais je lui ai promis qu'aujourd'hui, je le verrai, il faut qu'on ait une explication, je ne peux pas lui faire faux. Ah oui. Ah non, c'est pas possible. Eh ben je sais. On commence avec Monsieur Lico, voilà. Et puis, dès que t'as fini, eh ben tu viens nous revoir. Ah ben voilà. Eh ben très bien, bah alors. Alors, hé, en route vers l'aventure. Ah hein. Bah, à moins qu'on ait fini avant, hein, notre quête. Ah bah oui, oui, enfin là, évidemment. Oui, bah non, vous êtes déjà. La carte va passer dans la boue. Salut. Eh ben. À tout de suite. Sauf à Marc, évidemment, et Sophie, ma meilleure. Voilà. Je comprends qu'avec l'ancienne relation, oui, c'est pas facile de faire confiance, mais. Mais non. On a pu faire un effort. D'accord, mais si tu veux, moi voilà, j'ai un peu perdu les pédales, je t'ai fait du mal alors que je voulais pas. Il faut que tu saches quand même que j'ai toujours été loyale avec toi, je t'ai jamais trompé, bien entendu. Et que là, c'était un mauvais concours de circonstances, j'ai rien géré, je suis nulle. Ah, tu m'énerves, Sarah, tu vois, parce que là, bah, je te fais quand même confiance, quoi. Ça ne te ressemblait pas, en fait, cette situation. Ah, oui. Mais tu ne nous as pas laissé le temps de se rencontrer, de... Je sais pas, tu aurais pu faire un effort, quoi. Non, j'envisage un truc pour nous deux, je ne sais pas si ça va te plaire. Je sais pas, mais tu m'aurais dit que j'étais formidable, comme ça aurait fait plaisir. Oui, c'est vrai. Mais en même temps... Bon, tu penses à quoi alors? Je me dis que peut-être on pourrait rester amis. Si tu veux, oui, mais il faut laisser le temps. Non, mais bien sûr, C'est pas une page qui se tourne. Hein. Elle est courte, mais c'est une page qui se tourne. Oui, c'est ça, oui. Donc écoute, c'est d'accord, le temps que tu veux. D'accord, bah, je vais prendre le temps. Oui. Je vais m'asseoir parce que... Ah bah oui, je t'en prie, prends ton temps, hein, si toi, prends ton temps. Ouais. Ah, pas trop. Oui. Mais tu m'avais pas dit que tu rentrais aussi vite. Ben ouais, je suis rentrée plutôt prévue, j'y m'appelais pas. Ah oui, quand même. Mais non, mais pas grave, t'inquiète. Hein. Ah, une sale touriste. Ah. Et quand je dis ça, 3 mois, c'était pas normal.
raconterai tout ça dans les détails plus tard. Car Dieu a mandé le spectacle. Bon, bon, toi, alors, avec Pierre, comment ça va, ça? Ouais, Pierre. Ah ouais? Ouais, Pierre. Ah ouais? Alors, je te présente Pierre. On a rompu il y a 5 minutes. Je tombe mal, peut-être. Non, c'est fait, hein. Voilà, Pierre. Bonjour, Sophie. Pierre, c'est ça. Cette lumière dans vos cheveux. Ah, et vos yeux. C'est comme... Élisée. T'enlèves pas ton manteau. Et donc, Pierre, oui, enchanté, hein. Enchanté. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de toi. À vous, toi. Ah oui, c'est moi aussi, il y a 5 minutes, en fait. Ah oui, Ton manteau. Ah oui, mon manteau. Oui, parce que j'ai la tête un peu à l'ouette. Destination. La Turquie. Oh, la Turquie. Ah ouais, c'était incroyable. Les gens d'une gentillesse. Ouais. Et la nourriture. Et la pauvreté. Ah, enfin bon, Destin et Gabal n'est pas là. Ça, c'était un voyage vraiment enrichissant. Ah, incroyable. De voir ce soleil, le vent couchant, le soleil qu'on pourrait partager. Si j'étais pas seule. Mais dis donc, alors, je vois être indiscret, hein, mais tu finances comment tes voyages comme ça? Ah, c'est mon métier. Non. Oui, je passe mon guide du retard, du coup je voyage un peu gratos. C'est ça, ouais. C'est vraiment comme ça. Merci. Mais je vois que vous avez fait connaissance, dis donc. Oui, tu m'avais pas dit que Sophie faisait ce métier passionnant. Ouais, bah, en même temps, tu savais pas qu'elle existait. C'est pas faux. Ça doit jouer. C'est pas faux. Tu crois qu'elle est toujours aussi communicative. Ah, parce que c'est pas nouveau, ça. Non, mais depuis que je la connais, elle cache toujours tout à tout le monde. On va dire que je suis pas extravertie, mais c'est tout. D'accord, je comprends mieux maintenant certaines choses. Ouais. Ah, les jeunes, je m'ennuie pas. Hein. Je joue pas au foot dehors, mais j'ai promis à Jean, à Marc de le rejoindre. Il faut que j'y aille. Ah bah, écoute, moi aussi, j'ai plein de choses à faire là, donc bah, je vais y aller également. Hein. Donc du coup, ça va, quoi. Ah oui, mais moi aussi je vais y aller, voilà. Je passe faire un petit coucou, mais là tu vois, j'ai terriblement besoin d'une bonne douche froide. Froide, parce que je suis terriblement conquise. Épuisée. T'habiterais pas très loin, toi, parce que j'ai mon véhicule juste en bas. Ah, mon sauveur! Je pourrais ramener Sophie. Ah, Romain, j'aime autant. Ah, moi aussi. Parce que t'en étais envolée toute seule. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avoue, on va y aller. C'était mon bagage, ouais, je te jure, mais. Il est chaud, la merde. Ah, il y a son manteau, là, faut pas marcher sur le manteau. Oh, c'est le manteau! Thank you.
Ah, Nico, ah bah j'allais justement vous rejoindre. Ça s'est bien passé avec Pierre. Oh, super. Écoute, mieux que je l'imaginais. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va pas rester longtemps tout seul. Ah. Ah oui, mais je t'expliquerai. Bon, alors vous avez tout trouvé? Et Marc, il est pas là? Non, alors. Oui, on a réussi à collecter tout ce qu'il fallait. Ah, super. Bon, très bien. Sauf le poisson. C'est pour ça que Marc n'est pas encore revenu. Le poisson, ça doit être le truc le plus facile à trouver. Ah, mais en trouver a été facile, hein. Ah, ouais. Ouais. C'est pour le récupérer que c'est plus compliqué. Tu te souviens de la fameuse Georgette qu'il a mentionnée? Oui, tout à fait, bien sûr, oui, mais je vois. Eh bien, dire qu'elle n'est pas aimable est un euphémisme, hein. Je dirais qu'elle ressemble plus à une harpie enragée. Oh, les gars, et vous en rajoutez toujours 15, hein. Ah non, je t'assure, hein, elle est terrible. Hein. Ah, et j'ai vécu un génocide. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, alors, et, du coup, il est blessé, maintenant, ou quoi? Ah non. Ah bon, très bien. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé venir te chercher. Ah bon, d'accord. Enfin, il a besoin, je cite... des compétences en diplomatie avant de commettre un meurtre. Ah oui, quand même. Moi, je lui ai bien proposé ma dague. Non. Mais il m'a dit que c'était peut-être pas la meilleure solution. Non. Même si c'était très tentant. Quoi? J'y vais. Bon, je te prends. Sarah, viens ici immédiatement! Je l'ai prévenu! Mais t'as joué avec mes nerfs! Navré, vraiment, Sarah n'est pas chez elle. Vous êtes? Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Cédric, donc. Et mais la description est assez fidèle. Je suis désolé, Sarah n'est pas chez elle, mais appelez-moi Lico et sortez d'ici, s'il vous plaît. Comment tu connais mon nom, toi, dis-tu? Tu as ta mère, parce que tu sais pas à qui t'as affaire. Vous non plus. Mais son nom de mec, c'est ça? Ah, ça. Je vous ai demandé de sortir. Hein? Et pourquoi je fais ça? Chez elle, c'est chez moi, elle est à moi, d'accord? Alors pourquoi? Je vais essayer d'expliquer dans des termes simples, afin que votre cerveau primitif ait une chance de comprendre. Sarah ne veut plus de vous dans sa vie, et si vous insistez, je me verrai contraint de vous briser le crâne qui visiblement ne contient pas grand-chose. Non, mais c'est que je vais me le faire, le guignol! Ah, pas de plus, c'est que je vous brise le genou! Pour la dernière fois, sortez! Ok, pour cette fois, ça ira. Mais je te préviens, Lopette! Je vais revenir et je vais te montrer qui c'est le patron! Vous attendrez, alors! Oh, mon Dieu! Par Rodin, quelle pathétique créature. Bon, j'en étais où, moi? Ah, oui. Oh! Ben voilà! C'est au cours de la dernière bataille. On aurait pu gagner, c'est sûr, si Kramp n'avait pas laissé tomber son glaive au moment crucial, c'est sûr, on gagnait. Voilà, et c'est là que je fais le portail. Et bim, portail, elle est arrivée ici. Si j'avais bien copié les glyphes aussi... ils ont mis à l'envers aussi, eux. Hein. Enfin, bref... j'aurais pu gagner, c'est pas de bol. Bon. Mais... Attends, mais il y a une suite. Mais... Ça veut dire que...
J'ai pas vécu ça, c'est plus dur pour moi. Je peux gagner avec ça. Ah ah. Ah, attention à toi, dire le premier. L'important, c'est que vous en soyez sorti indemne. Oui. Ah, alors du coup, c'est bien, mais du coup, on fait quelque chose, hein, on fait le portail. Ah bah oui. Voilà. Et on fait quoi? On mélange tout? Ah oui. Ah non, on mélange pas. J'ai quelques écritures à faire. D'accord. Disposées dans un ordre précis et quelques incantations. Allez. Mais bon, du coup, il me faut un petit peu de place. Dingue. Pas moi, ça me fait pour peur, mais... Non, moi, j'aime pas. Ah, à l'avant. Ah. Ouais. Ah. Ah, ça fait ça du nez. Ah, oui, d'accord. Ah, mais quand c'est rouge, il est beau. Il y a ce poisson, le canard. Et le diamant. Bah, ça me semble pas mal comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah bah maintenant, on égorge le chat. Ah quoi? Mais non, je rigole. Ah oui, c'est ça. Bah, pas vous aurez fini vos conneries, hein. Ah, voilà. Bon, allez. Bon, alors j'ai quelques incantations à faire. Une pour activer le portail et une deuxième pour repartir chez moi. D'accord. Voilà. Ah mais attends. Faut que tu te changes. Tu peux pas. Ça, ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Attends, je reviens. C'est dans la chambre. Ouais, on est tous sûrs. Tu veux pas mon chapeau? Non. Vous allez bien, bien vous entendre. Ah, ouais, ça va. Normal. T'as pas l'air trop stressé. Tu pars. Ah, bah. Mais c'est normal! C'est mon héros favori! Et j'ai 3 milliards de questions à lui poser! Et tout ça, enfin, tout ça quoi! Bah oui, c'est tout ça! Bah oui, et puis je vais te dire! Ne pas avoir besoin d'imaginer! Le voir en vrai! Il est tellement fort! Il est tellement fort! Tellement puissant. Et puis alors, bienveillant. Mais t'en passes pour lui, en fait. Et non, mais ça va pas, non. Oh, mais j'en passe pas du tout pour lui. Mais si, t'en passes pour lui, on passe pour quoi? Oui, le crabe. Le crabe. Ah, le crabe. C'est ça, c'est un calamar. Mais non, mais le crabe à tour seul, la semaine dernière. Le crabe. Ah oui. Bon, et c'est bon. Alors, du coup, le portail. Oui, le portail. Oui. Alors.
Bon, je vais faire une première incantation. Mineralus, Végétalus, Animalus, Coronavirus, des médias parfoutis coronavirés. Regarde, ça fait de la lumière. Et puis, ça aura été une merveilleuse rencontre. Tu es quelqu'un d'unique, vraiment. Voilà. Je vous fais mes adieux. Le pénis macronarum. Démocratia vulnérabilis est. Ben qu'est-ce qui se passe, ça marche pas? Peut-être le calamar qui est pour frais. Non, je crois pas. Ben, va falloir que je repasse depuis le début. Ah non, bon, alors là, c'est bon, hein. Moi, je commence tôt demain matin, hein. J'ai pas de bien manger à moutard. Je reviendrai quand vous aurez fini. Très bien, bisous. Il y en a encore un petit moment en plus. Allez, salut, on peut relancer un peu, hein. Bah oui, de toute façon, j'ai beau regarder réfléchir. Un saut de la main, quand même. Pisse, le quartz. Pour moi, ça viendrait de l'anneau et surtout du diamant. Oh, le foiré! Il m'a menti. Ah, il est pas récupérable, ce garçon, moi. Oh là, je suis désolée. Oh là là. Ah non, mais c'est pas de ta faute, ne t'excuse pas. Hein. Ça tombe plutôt bien que ça n'ait pas marché. J'avais quelque chose à te dire. Il est repassé, Cédric, pendant que tu étais parti. Oh, c'est pas vrai! Mais il foutra donc jamais la paix, ce mec! Non, mais toi, ça va? Ah oui, oui, moi ça va, mais c'est pour toi que je m'inquiète. Il était vraiment très énervé et il contrevenait. Ah, j'en ai marre! Je suis vraiment désolé que tu aies à subir ce rustre. Mais pendant que je suis là, je te garantis, il ne te fera aucun mal. Je suis bien la mettre pas. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Bonne nuit, Nico. Et si tu as besoin de quoi que ce soit... Oui, bien sûr, mais j'ai surtout besoin de quoi que ce soit, Nico. Viens, plus, ça n'hésite pas, hein. Je suis à côté. Voilà. Oui. Nico. Oui. Oui. Je pensais à un truc. Dans ma chambre, il y a la fenêtre, tout ça, et je me dis peut-être que qu'il pourrait passer par là, mais Cédric et moi, ça ne me rassure pas. Ah, mais ça ne me rassure pas non plus. Hein. Je me disais, peut-être que tu pourrais venir dans ma chambre, hein, pour plus de protection par nos voix. Ah, j'avoue que c'est une bonne idée. C'est vrai que ça me rassurerait aussi. Hein. Oh, mais pas pur souci de protection. Bien sûr, moi j'adore la protection, ce qu'on a. Alors, viens, tu sais quoi, tu vas voir. Mon lit est vachement plus confortable que le canapé.
vas-y, pardon. Non, vas-y, toi. On n'aurait peut-être pas dû. Non, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Parce qu'on est amis, mais ça gâcherait tout, non Bah oui, et puis moi je dois repartir chez moi, ça n'aurait pas de sens. Mais non, mais voilà. C'est bon, on va dire que c'est une erreur. Hein, voilà. Oui, t'as raison. Oui, ben voilà. On va dire qu'on oublie tout. Oui, voilà. On va dire qu'on oublie tout. Ouais, mon pote, c'était pas bien. Hein. Oh, non. Ah non, c'était... Wow. Ah ouais, c'était formidable. C'était... Oh là là. Oh, j'ai bien aimé. Jamais comme ça. Moi, je suis quand même contente qu'on soit d'accord. Oui. Ouh, dis donc. Hey, mais c'est pas vrai. Oh, mon bel enfant. Oui, oh. Bonjour. Hey, Oui. Non, tu me déranges pas parce qu'on vient de se lever. Ah, oui. Bah oui, c'est vrai, il dort aussi bien. Ah oui, c'est-à-dire que je me suis réveillée, puis alors lui, il se levait, puis ça fait rond, quoi. Bah, voilà. Allez, Pierre. Alors, tu venais me voir pourquoi? Alors, je voulais te parler de Sophie. En fait. Sophie, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un problème, un accident, il s'est passé quelque chose. Dis-moi tout. Non, t'inquiète pas, tout va bien. C'est qui, Sophie? Sophie? Ah oui, c'est ma meilleure amie. T'en parles des fois de tes amis à tes connaissances? Ah oui, des fois, mais pas là. Non, alors, je voulais te parler de Sophie. Ah oui, alors qu'est-ce qui est arrivé? Oh, rien, très. Oh, après, tu vas faire peur. Ah oui, mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que... Bien sûr. Ah, parce que ça... Hier soir, je t'ai raccompagné. Oui. Et puis, on a discuté pas mal, quoi. C'est une fille vachement sympa, hein. Oui. Passionnante, hein. Bah oui. Pas tout le temps passé, on est discuté. D'accord. Oui, et donc. C'était chouette. Ouais, oui. Je me posais la question, mais c'est pas fait, hein. C'est au cas où, hein. Oui, bien sûr. Oh là. Ouais. Si je l'invitais à dîner au restaurant, par exemple, un soir. Bon, alors, écoute, Pierre. Ce que tu veux, d'autant que Sophie, pas sa mère, hein. Moi. Ouais, mais pour moi, c'était un peu tôt pour toi, pour nous, tout ça, donc... Ah, c'est ça. Mais non, tu permets ça aussi. Oh, là, tu me rends vraiment heureux. Ah, ah ouais. Ah, tu sais, en même temps, j'avais bien vu qu'il y avait baleine sous gravier, au moins. Bon, en tout cas, je suis contente. Et puis, tu sais quoi? Eh ben, les coups de foot, ça se commande. Ah, bah ça. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Cherchez quelque chose, ou peut-être. Ben, oui, j'ai perdu ma deuxième chaussette, je sais pas où elle est. Mais va regarder dans le lit. Non. C'est pas du tout ce que tu crois, là. Je vois que tu penses des choses pas vraies. Il a mal au dos, je lui ai prêté mon lit, et moi, évidemment, j'ai dormi dans le canapé. Ah. Ouais. Si. Bien trouvé. Ah, super. Ouais. Bah, voilà, tu vois. J'ai même trouvé ton bracelet. T'as dû l'oublier d'enlever avant de dormir. Et j'ai posé sur la table de nuit. De quoi, j'ai dit quelque chose? Bon, vous inquiétez pas, j'ai compris. Hein, mais non, alors justement, pas du tout. Bon, c'est quand même. Non, et on en est pas là. Hein? Bon, ben écoutez. On n'en est pas là. Mais non. Pas, non. Non.
Soyez, hein, vivez le moment présent. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc, à bientôt. Allez, salut, salut. Bah, il nous a crié. Ouais, je crois, ouais. Bon. C'est peut-être pas très grave, hein. Ouais, c'est sûr. Enfin bon. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour le portail? Je vais m'y remettre au portail. Faut vraiment que je trouve un diamant. Hein. Ah, ben oui, moi je peux pas t'aider, parce que c'est du toc. Ouais, mais bon, on verra demain. Mais je suis sûr que c'est trouvable. Bon. Mais je vais réfléchir s'il n'y aurait pas une alternative possible. Ok. Bon, écoute, vu que c'est quand même un petit peu le bordel là-dedans, je vais ranger, hein, pendant que tu fais ton portail. Allez. Je l'ai pas vécu. C'est le futur pour moi. Ah, t'as pas lu le dernier tome alors? Ah ben non, je l'ai pas lu moi, mais je l'ai pas vécu surtout. Et tu te rends compte, avec toutes ces connaissances, oui, je vais pouvoir mieux me défendre contre le roi. Oui, t'es sûr que c'est vraiment intéressant pour toi? Évidemment, et pourquoi pas? Mais... Attends, parce que je te raconte plutôt. Non, parce que je peux te le raconter. Ah, mais tu sais, je peux le dire, hein, je le dis très très vite. Ah oui, non, mais tu sais, je vais dire un truc. Non, en fait, t'apparaît pas tant que ça dedans. Et il est pas super intéressant. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de si terrible que ça dedans Laisse-moi le lire, s'il te plaît, avant que je reparte. Pourquoi tu resterais pas? Pardon? Mais pourquoi tu resterais pas? Tu l'as dit toi-même! Il n'y a rien de bon qui t'attend là-bas, personne de confiance, aucun endroit où tu te sens en sécurité. Mais enfin, Sarah, je dois repartir. Même si je me plais ici, je ne peux pas rester. Et puis c'était ce qui était convenu. Mais rien de bon t'attend là-bas. Comment ça, rien de bon? Qu'est-ce que tu veux me cacher? Mais non, Lico, tu es pris au piège là-bas et tu meurs. Voilà. Ah, c'est donc ça. En fait, tu n'as jamais voulu m'aider. Mais c'est donc ça quoi? Tu savais que la bague n'allait pas fonctionner. Mais ça va pas du tout, enfin! Mais enfin, ça va pas, non? Je peux changer le destin de cette histoire, tout comme j'ai pu venir ici. Et je peux gagner, et tu ne m'en empêcheras pas. Non, mais Lico, mais enfin, c'est... Non. Et tu ne me garderas pas comme un trophée dans ta bibliothèque, là! Au diable ton livre! Lico, enfin, tu... Excuse-moi! Oui? Mais je préfère que tu me laisses partir chercher mon diamant et repartir chez moi. Non, Lico! Lico!
Ah oui, mais toi aussi, t'as vu le dernier tome, là? J'ai lu dans l'avion. J'étais sous mon petit plaid, à côté de moi, une nana qui sentait pas la rose, et de l'autre côté, un mec qui mâchait son chewing-gum dans l'oreille, comme ça, comme ça. Ah, je veux dire, celui-là, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Enfin, bref. Mais bon, ça, pour dire que moi aussi, j'ai trouvé cette fin totalement naze. Mais oui, mais non, mais c'est vrai que c'est nul, mais... Je te raconte. Mais bon... Là. Et tu vois le pire, c'est qu'il est parti, qu'il croit. Je fais tout pour l'empêcher. C'est nul, nul, nul. Mais oui, je sais bien. Au contraire, t'as dû tout faire pour l'aider. Mais évidemment, mais oui. Ah, oui. Bon. Tu sais quoi faire? Regardez Bridget Jones et manger de la glace. Mais après, on prendra de la guindasse, hein. Cookies, hein, parce que tout le monde a toujours du beurre de cacahuète, mais franchement, t'es contre elle. Ce qu'on va faire là, c'est ça. On va te chercher, ton chéri. Mais on sait même pas où il est. Ça va, on parle là d'un mec qui a vécu toute sa vie avec des dragons, des fées, des elfes et autres. Et votre petit gobelin, tu penses qu'il y avait des gobelins au fond d'un rêve? Mais j'en sais rien. Oui, c'est vrai. Bon, tout ça pour dire que ce mec ne sait même pas ce que c'est qu'une voiture, donc il devrait être bien loin de ton bus. Et puis si jamais il veut pas me parler? Non, mais tout ça c'est juste un gros quiproquo, ok? Ça va le faire, fais confiance à tes os. Oui, 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 je le dis. Bon alors maintenant, toi tu vas prendre une douche bien froide à ton tour, rien d'accord? Tu vas te mettre une musique, te détendre, position du pélican tête en bas, genre en l'air, j'en sais rien, tu fais un truc. Ah merde, là on va. Ah, c'est mou, c'est mou, c'est mou tout ça. Ouais, salut Martichou. Ouais, c'est Soso. Bah ouais, ça fait un bail, hein. Ah bah là, je suis rentrée de voyage parce que je me suis pris une espèce de touriste. Oh, bref, ouais. Je t'appelle pour quelque chose d'urgentissime. Ramène tes fesses tout de suite chez Sarah. Un problème avec Lico. Quoi? Mais non, il a tué personne. Enfin ça, j'en sais rien. Mais là, n'est pas la question. Oui, avec Pierre, on va aller chercher, mais elle va avoir besoin de compagnie. Ah, tout est un ange, merci Martichou. Oui, chevalier de mes douces nuits. Oui, je sens toujours le cœur qui m'a séché. Oui, j'ai toujours la peau douce. Ah oui, en fait, je t'appelle parce que je vais avoir besoin d'un chauffeur aguerri. Bah oui, c'est pour Sarah, elle s'est brouillée avec Lico. Non, mais une broutille, tu sais, je vais arranger ça en deux-deux. Et toi, alors? Allez, à tout de suite. Ah non, c'est toi qui raccroches. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Bon, alors, tu sais quoi?
Ah, si toi, tout va bien se passer, il ne devrait pas tarder. Voilà. Ah, bah, c'est vrai que lui, il y a déjà toutes ces infos à faire. Super, j'ai entendu SOS meilleur ami en les 13 venir de cet appartement. Monsieur Marichu, vous êtes au bon endroit. Ah, oh, ça fait tellement plaisir de te voir. Oh, moi aussi. Bah ouais, je serais bien pas voté, mais j'ai mon chauffeur qui vient d'arriver. Bisous, Marichu. Alors, il a pété le pied qui est. Mais non, mais il croit que je l'empêchais de parler, j'ai tout fait foirer. Mais c'est stupide. Oh, puis t'inquiète pas, la Soso va nous le récupérer en moins de deux. Mais imagine qu'il veut plus me parler. Mais dis-donc, ouais. Pour que ça te mette dans des états pareils, peut-être comme un léger rapprochement. Merci. Ah, je l'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Oh, hé, vous êtes deux dans l'histoire, hein? Oh, et puis, vous vous êtes fait du bien. Il y a pas de mal. Oui, mais ça complique tout, Marc. Ça complique tout. Non, pas tant que ça. Il a l'âge. Les deux, on ne sait même pas ce que c'est qu'une voiture. Une voiture, Marc. Il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture. Mais tu sais que je suis à côté de toi. Mais je n'ai pas dit quoi, voilà, je n'ai pas dit que je ne pas du tout. Non, puis en plus, il sait ce que c'est qu'une voiture. Je te rappelle qu'il est sorti avec moi hier. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, je te l'accorde. Ouais. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre que c'était pas un danger. Il a quand même fallu que je le retienne pour qu'il ne balance pas son poignard sur la trio du voisin. Oh, je sais pas. Oh, oui. Sauf pour le voisin. Il a dû faire au moins 3 arrêts cardiaques en moins de 2 minutes. Hein. Ah. Oh, c'est eux, tu crois? Bah oui, tu vois, alors pour c'est y aller. Du allez, ça y est, c'est allez, allez, je vais te le chercher, ton micro. Oh, allez. Tu de mon chemin, toi. Oh, mais ça va, bah, oui, hein. Attends, mais... Il faut fermer la porte. Mais ça va pas, c'est... Qu'est-ce que tu fous là? Alors, tu vois, hein, j'ai eu de la patience avec toi. Mais là, ça a des limites. Ça a des limites. Attends. Reste avec nous. Pourquoi tu paniques? Hein? On a plein de choses à se dire, madame, ton mec est parti. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Nico? Moi? Mais rien, absolument rien. T'as fait tout le taf, toute seule. Hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que je l'ai vu partir, hein. Et je sais pas ce que tu as fait pour le rendre aussi énervé, mais... Non, mais là, ça suffit, hein, Cédric, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu comptais faire quelque chose, peut-être? Oui, appelle les flics, Marc. Ouais? Oui. C'est ça, Marc. Ah! Appelle les flics, et je suis un bain de sang. Ah, mais non, mais ça va pas, non? Tu m'appelles sur la clope. C'est le principe! J'en ai marre là! Faut pas faire ça? Oui, mais j'en ai marre! J'en ai marre que tous ces parasites se mettent entre toi et moi! Oh non! Sarah, tu vas être contente, on a retrouvé! Oh putain, je m'oublie! Plein de débiles! Bien, bienvenue! Oui, c'est vrai, écoute, on peut discuter, la violence n'a jamais rien résolu, enfin. C'est vrai que c'est oui, alors là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que là, j'aurais une peine. Oh, Marc, tu n'aimes pas beaucoup, là. Moi, non, mais la peine. Marc, s'il te plaît, Marc, s'il te plaît. Hein. Bon, allez, écoute, débile, là, pas par là, parce qu'on a des choses à faire avec mademoiselle, hein. Ah bon, mais tu comptes faire quoi? On va faire un petit voyage. Rien que toi et moi, hein, tous, sur toute ta bande de guignols que t'appelles des amis. Peut-être que là, tu seras plus docile. Non, mais lâche-moi. Oui, lâche-la tout de suite. Ouais, un pas de plus et j'égorge. Bien. Mais tu sais que dehors, on va te mettre des flics au cul, hein. T'as nulle part à quoi aller, hein. Et bien, oui, tu sais quoi? Je vous attendrai, hein, toi et toute ta bande de guignols, parce que j'en ai plus rien à foutre. Tu vois, Sarah, oui. Fallait pas me quitter. On était fait un pour l'autre, c'était le destin. Et maintenant,
Tu partiras plus. Non, mais je te déteste. Bon, c'est vrai qu'on va casser le jeu. D'ailleurs, on n'a jamais beaucoup discuté tous les deux. Hein? Ton enfance, elle est grande. Et tes parents. On n'a pas été à l'école ensemble. Quoi? Mais du coup, tu me parles, toi. Mais... C'est vrai? Putain, il me semblait t'avertir de ne pas remettre les pieds ici. Encore toi, putain. Sarah, tu m'excuses? Oh oui. J'ai des ordures à sortir. Je te dis pour ça. Vas-y, après vous, je vous en prie. Des souvenirs. Ah bah tu rigoles, oui. Quand je pense que ça fait
deux mois, un peu plus quand même. Ah oui, oui, on approche des ouais. six. Hein. Ouais, bah, oui. ouais, enfin, ouais. Et j'ai l'impression que ça fait des lustres. Toujours pas de regrets. Moi, regretter d'avoir quitté quoi? La guerre et la solitude? Ouais. Pour rencontrer la meilleure personne au monde? Oh. Oh. Pas une seule seconde. Ah non, 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 non. C'est vrai. Ah, ah là là, c'est toujours plus sympa qu'au moment où on pourrait conclure. Ah, les tourtereaux. J'apporte de bonnes nouvelles. Ah, est-ce que ce serait... Ah, monsieur Rico, j'ai l'honneur que dis-je, l'honneur davantage. Vous êtes citoyen français. Oh, merci. Remarque, je ne sais pas comment te remercier. Oh, quelques magouilles parties par là du gâteau. Oh, qu'est-ce que je dis? Mon salaire, ma situation. Merci beaucoup. Quand même, petit chèque, ce serait pas. Oh, oh, bah, du bon bain. Mais non, je rigole. Ah, soyez heureux et en bonne santé, c'est le salaire. Eh ben, on va faire ça. Ah. Mais carrément. Et. Non, mais vous en êtes où les cartons, là? Ah, bah, tu vois, ça avance, quand même. Bien, bah, on a fini la chambre. Ouais. Et la moitié de la cuisine. Ouais, ouais. Il reste plus que le salon. Mais on s'arrête de temps en temps parce que faut qu'on fasse tenir ça. Ah, bah oui. Bah oui. Ouais, et du coup, vous avez acheté quoi, là? Ah, non, oui, oui, oui. On a trouvé une maison. Avec un jardin. Avec, enfin, tu vois le truc classique, on va prendre. Et du coup, on pourra faire des barbecues. Ah, oh, j'ai hâte d'être invité à la plus grande. Mais dis donc, oui. T'as des nouvelles de Pierre et Sophie, hein? Oui, oui, oui. Ils devaient arriver pour transporter des autres cartes. Oui, oui, oui. Ah, oui, bon, enfin, tu sais comment ils sont, hein, s'ils peuvent arriver après la regarde. Donc du coup, oui, j'ai mis un petit mot. Normalement, ils viennent d'entendre, à mon avis, c'est eux. Ah, tu peux aller ouvrir? Non, parce que eux... Ah, ben, bah, c'est eux. Surtout. J'étais au tribunal ce matin. Ah oui, alors ouais, j'ai des nouvelles de le brocon Cédric. Ah oui. Il a pris 5 ans de ferme, ce nazi. Ouais. Yes. Il en était pas à son premier coup. Hein. Ah ouais. Son ex avait déjà porté plainte. Ah, et ah. Il a pris cher. Ah, super. Ça, c'est bon, ça. Il a été débarrassé. Mais oui. On va avec la brûlée qui lui a mis, il est pas prêt de racheter. De toute façon, voilà, c'est clair. Bah oui, parce que t'es plus fort. Ouais. Et ben moi, je ne sais pas pour vous, mais je crois que ça se fait, ça. Ah oui.
Parce que vous